Pievel pour une petite nouvelle vidéo sur Tour de France, donc Pro Cycling Manager 2017 avec notre top 11 Emmett Poe. Donc on est parti, donc on va faire la course 3D, donc notre favori c'est toujours Dalen Coff dans cette étape là. Donc voilà, donc bah moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo, allez à tout de suite les gens. Bonjour à tous, la localité d'Aimé qui accueille le départ de la 11e étape du Tour de France est la plus petite commune parmi les villes étapes de cette 104e édition. Située au sud de la Dordogne, elle est placée tout près de Marmande que la route du Tour traversera, tout comme le village de Roumagne où réside le jeune retraité Pierrick Fédrigou. Cette étape d'ailleurs sera tracée en forme d'hommage pour le Marmandais, vainqueur de 4 étapes du Tour dans sa carrière, puisqu'elle prend la direction de Pau, où Pierrick a eu l'occasion de s'imposer à 2 reprises. Une occasion de plus aujourd'hui pour les baroudeurs, qui verront peut-être leur prière exaucée après un passage à la Bastide d'Armagnac, au pied de la chapelle Notre-Dame des cyclistes. Plusieurs coureurs tentent de sortir du peloton. Allez, on va accélérer la cadence. Donc on est au lendemain du repos. Non, ça fait deux jours. Non, on est à la 11e étape, je me trompe. Le lendemain du repos, c'était l'étape d'hier. Donc on va essayer de gagner. Bon, enfin, bon résultat. Donc ça, c'est une étape normale, donc c'est bon. Il y a quand même une minute, lui, mais je vois pas où ils sont marqués. Où c'est marqué? Bah non. Donc c'est pas grave. Bah ouais, allez vite là. On va y voir la carte. Oh, c'est une petite carte. Toute petite carte. Donc on va à Pau là. Donc ouais, c'est une étape toute simple, il n'y a qu'un sprint, il n'y a qu'un truc de montagne, donc ça va être un épisode qui va aller assez vite les gens, je vous le dis. Bah des sprints de toute façon, Tour de France, il n'y en a toujours qu'un tous les ans maintenant, parce que c'est toujours été comme ça, depuis plusieurs années que ça dure. C'était pas le cas avant, mais bon. Par contre, il gagne beaucoup plus de points, le nouveau système de sprint. Donc voilà. Donc il reste aussi super sympa là. On va ralentir la cadence pour le sprint. Bon, de toute façon, ça dépend comment ça se passe. Parce que je pense pas que les gens vont sprinter comme d'habitude. De toute façon, c'est tellement important pour eux le sprint qu'ils sprintent même pas. On a toujours 3 minutes 23 d'avance. Donc, ça, c'est bien aussi.
Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Alors on accélère jusqu'à la montagne. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleures étapes ceux-là. Ouais. Donc pas du tout. Et comme on descend vers Pau, c'est vrai que la prochaine étape, ça va être une étape de montagne. C'est même presque sûr. Donc voilà. De toute façon, on tournera jusqu'à midi comme d'habitude. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Attaque d'Adriano Malori. Bon, il reste avec eux, mais il ne manquera pas de points. Oh, c'est pas grave. Allez, x4. Ça a surtout permis de reprendre un peu d'avance. Mais bon. Ils resteront pas devant de toute façon, comme d'habitude. Vu que le jeu ne prend pas en compte le classement général, bah voilà. Ce qui est un peu dommage. Donc voilà, c'est complètement illogique, on va dire. Donc on va ralentir la cadence, fin, que nourriture. Et tout le monde derrière, Hernandez, ça c'est pour tout le monde. Le peloton est de plus en plus étiré et des cassures sont en train de se produire à l'arrière. La ligne d'arrivée est à moins de 20 km et il y a toujours plus d'une minute d'avance pour l'échapper. Le suspense reste entier. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Encore 15 km à parcourir. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts.
Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Échappé, terminé, le peloton ne leur a laissé aucune chance. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ça y est, le sprint est lancé. Je vais peut-être gagner. Ah non, on va finir deuxième. Ou troisième. Quatrième. Victoire du Slovaque Peter Sagan. Tant mieux. Quatrième. Bonne étape. La course est jouée. Mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. Ben voilà, on a bien fini sur cette course. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Ça se joue à très peu, en vrai. Tu vois mon coureur qui est là. Allez, on va aller voir les résultats. Donc, Dagenkov finit 4ème. Nidzio 22, Contador 23, etc. Ouais. Ok. Donc, au sprint, fini les matchs 20 points. Dagenkov 18. Et c'est tout. En montagne, on a 0 points pour personne. Et là, on n'en a pas comme d'habitude. Et on finit 3ème. Au général. Toujours Contador le mieux passé, le 16ème. Pokémon Emma 38. Fabio Fidini 55. Au sprint, Pantano il a 72 points, le 11ème. Féminé 47 points, 18ème. Dengelkov 23ème. La montagne, Pantano est toujours premier devant Contador. Donc voilà. Et l'équipe elle est 10ème. Donc voilà, moi je vais vous laisser là sur cette 11ème étape du Tour de France. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, plus tout le monde.